Ouais, en fait, la MK, même quand c'est comme ça, je pense, ouais, faut que je la mette pile devant la tour, du coup. C'est ça, faut vraiment le mettre devant la tour pour être sûr qu'il tape. Ouais, c'est ça, il tape le light après Valkyrie plus cochon. Et là, contre ça, je fais quoi, là? Justement, c'est un match-up que... T'as quoi dans la main? T'as quoi? J'ai un mineur, j'ai un MK, j'ai un sorcier, Ouais, je bah tape. je serais parti MK devant, je serais parti MK devant la voleuse. Mais du coup là tu peux mettre Dragon d'Enfer directement sur le golem. J'ai pas. Ah tu l'as pas dans la main, pardon, autant pour moi. Ok bah cycle lui là tu l'as. Ok voilà nickel. Ah non, rien, j'arrive Bon, tu mets une bûche. à la Mets une gauche. bûche à gauche. Nickel. Ah, j'ai T'es tué pas la obligé de tête. redéfendre le sorcier derrière. Oh, T'es de pas toute obligé de façon, redéfendre il le va le sorcier. défendre. Par contre, il va peut-être gagner Oh le là, trade. Ah, dommage. Je pensais qu'il gagnerait le trade. Ouais, ça c'était. Ouais, c'était pas. Sois sûr au pire avant de le faire. Mais si t'es sûr, après, le mineur arrive trop tard. Non, mais ouais, mais justement, du coup, tu peux le mettre devant la tour. Ah, Juste ok. devant. Oui. Ok, je vois. Comme ça, il arrive encore plus vite, tu vois. Bah après, le Le trade, on dragon l'a d'or. gagné du coup. Là, je suis en train de voir les HP des tours. Là, en vrai, Oui, pas besoin de tu l'as défendre. gagné. Mais attention parce qu'elle va potentiellement repartir golem, voilà. Et là, est-ce qu'on défend pas le même côté du coup? Parce que là, je peux tout mettre Ouais. sur du bon côté, non? Là, ouais. Là, il va falloir que tu MK à la mousquetaire. Ah merde! Ok. Ah, t'inquiète. Ah non, j'avais les flèches en plus. Je les ai mis devant moi. Ouais, prenez la tour. Pardon. Plus la rage, pareil. Ouais. Ah, oh, c'est dur. Tegan ne passera jamais, ouah. Mais non. Oh, mais non, putain. Captain de vieux, ça. Ouais, tu vois, là, il fallait taper la Valkyrie. Oh non, ça l'a fait retourner. Ah, ça... Ok, saute l'MK s'il te plaît. Ça sert à quelque chose, frérot. Ok, nickel, nickel. C'est pas mal, ça voulu. C'est pas mal, t'as voulu. C'est très très intelligent, ça. Ah, le mineur était Ok, ça derrière, vient, c'était gros. derrière, c'était pas mal. Ouais, mais c'est pas mal, ça va gratter, ça va gratter. Ouais, faut que tu défendes, par contre. À gauche. Ouais, nickel. Ok, t'as les flèches. Voilà. Voleuse au mid, si tu l'as. Let's go. Let's go, let's go. Non, la bûche! Le bug de la Ah, bûche. ok, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Juste que tu recycles les flèches. Le mineur, ouais, Ouf! parfait, nickel. Jinji! Oh là là, magnifique. Putain, on est revenu, putain! Bien joué. Je suis content Oh, de me faire c'est dur, insulter quand je vais la voler sa droite parce que moi c'est moi et je kiffe trop la mettre à chaque fois en mode. quand Parce que j'avoue que pour ce dragon là, j'ai l'impression dans mon deck que j'ai vraiment rien quoi. J'ai le sorcier quoi à la même. limite. Ouais, c'est tout, mais t'as rien d'autre, effectivement. C'est un des counters du deck, c'est vraiment très compliqué. Mais ça joue avec les cochons de base, c'est ça? Pas du tout. Je sais pas ce qu'il faut avec dans ce Ok. deck, mais non. Généralement, c'est jouer du golem élixir, tornade, tout ça, là. Mais pas du tout. Même si je pourrais pas faire le dé plus. Ouais, c'est pas grave. Ok, gel là-dessus, c'est vrai. Ouais, ça va être chier quand même. Ouais, ça Du coup, ça va être ballon. manquait un d'élixir. Là, normalement, oui, mais bon. Potentiellement que non, mais normalement, oui. C'est joueur débutant, joueur éclaté. Bah, c'est les deux ensemble en général. Je n'osais pas lire le commentaire. Mais... Quoi? Je n'osais pas lire son commentaire. Je trouvais ça un peu méchant quand même. En fait, là, ça cache rien, du coup, là, on commence à être habitué à. Ouais, Oh, tu le MK, il a pas. Il fait pas la team, tu En vrai, passes. tu. J'aime. En vrai, question, c'est pour toi, quelle est la. Enfin, pire commu, c'est bizarre de dire ça, mais entre Rocket et CR.
Bah de base c'était largement Rocket, je pensais que personne ne battrait Rocket, mais c'est vrai que Clash Royale, c'est un peu spécial en fait Clash Royale, parce que ça se voit que c'est des mecs débordés, je sais pas comment expliquer. Ouais, je vois ce que tu veux en dire. En fait c'est plus médisant, sur Rocket League c'est différent, c'est genre, ils pensent véritablement qu'ils sont meilleurs. Ouais. Là, ils savent que c'est un trophée, mais du coup, c'est, je sais pas, c'est différent. Ouais, c'est plus, ça serait plus de la jalousie. Mais ouais, c'est Clash Royale. Après, par contre, Rocket League, c'est cancer même à très haut elo. Donc après, je sais pas comment c'est. Par exemple, toi dans ton chat, comment les gens sont, tu vois. Mais Bah, bienvenue au club, quoi, du coup, j'ai envie de te dire. C'est. Ah non, c'est aussi très cancer et pourtant. Il a le plus sa faute là, non? Ouais. Il a le plus sa faute. Oh, alors là, non, oui, allez, s'il te plaît, oui, laisse-le bien. Vite ta main, quoi. Non ouais, moi je peux te dire que sur mon stream c'est un peu la même chose dans le chat des fois. Ah ouais, ok, donc c'est échange. Ouais, non ouais c'est. Ah merde, j'aurais dû. Ah ouais non c'est échange. T'inquiète. C'est échange de deck à tout va, fais ci, fais ça, ouais t'aurais pas dû jouer ta carte comme ça. Genre dis-toi que je joue le cimetière depuis sa sortie. Ouais. Y en a beaucoup qui le savent, hein, tu vois, qui me connaissent pour ça. Et ceux qui me découvrent le savent pas et du coup ils sont en mode ah t'aurais dû placer ça comme ça. Je suis en mode bah non, enfin je joue la carte depuis sa sortie, enfin je suis un des meilleurs joueurs avec la carte. Ouais. J'ai pas besoin de conseils, tu vois, sauf que bah après les gens vont s'énerver, tout ça, ça va insulter. C'est ultra concernant. Hein. Mais c'est une minorité, tu vois, contrairement à tout le soutien qu'on a, mais cette minorité on la voit plus souvent bah, que en fait, la majorité. C'est ça, c'est qu'il y a des jeux en fait ouais où du coup la minorité en fait elle est très présente à l'écrit sur le chat. Mais tu sais que c'est une minorité, donc c'est pour ça tu sais j'essaie de le prendre avec du sarcasme, etc. Hey Sardosh, il m'a envoyé un screen à 7h du matin, t'es en mode oh putain bâtard, à cause de toi je suis piqué. Et désolé c'est à cause de ça que je peux pas grind Rocket League. Ça prend mon âme. Ah mais j'ai vu son tweet, il a pas dit qu'il avait arrêté. Enfin Sardosh, il a pas fait un tweet en mode j'arrête le jeu au bout. Enfin j'ai fait une session de 12h, c'est le pire jeu ou je sais pas quoi. Je sais pas du tout. Il a fait un tweet. C'est pas moi, il m'a juste tweeté en DM une photo où il était sur Clash Royale en train de déchirer son mec là. Ouais, je crois qu'il a fait un tweet en mode il arrête, hein, il me semble. Hein. C'est pour ça qu'il dit commune raciste, j'imagine. Ah, mais Sard, t'as désinstallé le jeu du coup? J'ai installé le jeu, j'ai découvert, je suis monté à 2000 trophées, j'ai réalisé que si je continue, ma carrière était finie. Mais continue, Sard! Genre, t'as pas le droit de te faire plaisir et de grind le jeu pendant 2-3 semaines? Oh, en plus, toi, tu vas tellement théoriecraft et tout, il y a tellement de trucs. En ouais, plus, hey, autant le chat peut être toxique, autant. Tu vois, par exemple, là, je suis en vocal avec quoi? D'ailleurs, je crois qu'il y avait Crazy qui était Mika. Genre, pour le coup, les gens qui sont vraiment forts sur le jeu, par contre, eux, ils sont bienveillants. Mais en fait, Sard, en fait, il y a un système, ouais, pourra te le réexpliquer. Mais en gros, il y a le matchmaking par rapport au trophée, mais par rapport au niveau. Donc en fait, si tu mets pas de thunes dans le jeu, tu vas rester bas level. Ce que je te conseille, c'est de monter que les cartes que tu joues dans ton deck et pas les autres. Moi, j'ai fait l'erreur de monter toutes les cartes au début, donc je suis monté très vite en XP. Le problème, c'est que du coup, je suis forcé à jouer que ce deck. J'ai level 10, mais je ne tapais que des mecs avec level 13 ou 14. Ah, peut-être qu'en étant 10, effectivement, les mecs, ils ont monté qu'un seul deck. Pardon, j'ai pas vu que t'avais lancé. Et là, tu vois, avec la main de départ, je sais pas avec quoi le défendre. Oh la foudre. J'étais level 10, je me tapais que des mecs avec des cartes 13, 14. Crazy m'a dit passer 11. Bon, après, c'est pas déconnant, c'est. Passer 11, c'est pas idiot non plus. Quoi. Ça te permet d'avoir un peu plus de cartes maxées, donc les cas. Ouais. Et parce que du coup, t'as amélioré plusieurs cartes, Mika. Du coup, si t'étais resté sur ton deck de base directement et que t'avais amélioré aucune autre carte, t'aurais pu avoir ton deck full 14 en étant niveau 10. Genre, c'est possible. Mais genre, si t'améliores aucune autre carte. Il faut être sûr de son deck au début et quand tu commences le jeu, c'est pas simple. Ou alors, même quand tu. Ah, j'aurais dû le mettre derrière. Ouais, c'est pas dramatique en soi. Il a bien des. Ouais, mais le problème c'est que. Top. Nouvelle langue. Un coup, bien joué ça. Très bon sorcier, très bon. J'ai 4 lèches dans mon deck, trop dur d'avoir tout 14 voix. Ouais, bah écoute, non, au contraire, moi je trouve que c'est le plus simple. Hein. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Enfin, vous êtes voilà, vous avez des comptes en banque qui sont. Après, non, Mika, en fait, le truc c'est qu'il jouait à l'époque, donc au tout début, il me semble, un peu comme Doig. Ah oui. Et il mettait pas d'argent. Donc là, il a repris un compte. Putain, mais il kiffe trop la foudre. C'est vrai, de mettre cette foudre pour une unité et taper la tour. En vrai, c'est pas dégueu. C'est pas... Enfin, parce que du coup, pour 6 dégâts, il tue ta troupe et en plus, il met des dégâts sur la tour. Bah, ouais, mais 6. Il tue la troupe et il met des dégâts. Ouais, ok, je vois. Tu vois. Parce que là pour défendre du coup c'est plus donc, dur Bah parce qu'il a pas un deck opti mais tu vois généralement dans des decks où il y a de la foudre t'auras toujours des petites cartes à droite à gauche pour venir soutenir la def tu vois. Là il a un deck très très lourd donc forcément son sort de foudre n'est pas vraiment utile.
Ça c'est autre chose. Ça s'appelle l'optimisation de deck et à ce niveau, n'existe pas quoi. Ouais, t'es très très bien là. Ouais, bah je sais pas. Fait que là par contre, la foudre là, elle serait giga warfare si mes 3 unités sont sur la tour. Ouais. Mon compte est déjà à moins 500. Aïe. Code ouais, j'imagine, Mika. Non! Oh, c'est un bon free. Regardez. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ok, portée de bûche, GG. Didi! Ah là, après, j'avais un bon deck contre les chevaux. Ouais, et puis il a pas. En vrai, si vraiment il joue. Bon, après, il a quand même beaucoup de grosses troupes. Du coup, s'il commence à partir fond de map, à s'installer correctement, à mettre des faux, ça peut être très compliqué. Mais... Ah, je sais pas, j'ai l'impression que c'est grâce à la foot que j'ai pris l'ascendant dès le début et qu'il a du mal à, il a eu du mal à revenir. Parce que tout son deck est level 14, à part le gel qu'il a d'ailleurs pas utilisé. Ah non, pardon, il y avait son prince qui était que niveau 11.